Suryami Katatedori. Suryami Katatedori. Quand on apprend. Quando si impara. On se décentre un petit peu. Ci si sposta leggermente. Ok. Autrement dit, on ne va pas avancer sur lui. Okay. Non posso avanzare su di lui. Donc le pouce va travailler, on se décentre un peu. Pollice lavora e cambio direzione. Comme on fait une technique de débutant. Tecnica da debuttanti. Pour moi c'est difficile de passer sous ce bras. Okay? Per lui è difficile passare sotto il braccio. Parce que je peux pas le monter. Non posso farlo salire. Je peux pas le pousser. Non posso spingerlo. Ok, donc je vais juste avancer. Si limita ad avanzare. Et comme lui est débutant aussi. E siccome lui è un debuttante. Et que je veux pas lui faire mal. Non vuole fargli male. Il va préparer sa chute. Lui prepara la sua caduta. Yes sir. Insieme. Ok. Donc ça donne cette forme. Vous êtes d'accord? Okay. E quindi dà questa forma. Donc l'idée de l'action. L'idea dell'azione. Hein, comme je vous ai expliqué, quand on est sur Katatedori. Quando siamo su questa presa. Ok. On a un petit changement d'appui. Piccolo cambiamento di appoggi. On retrouve la même position. E proviamo la stessa posizione. Là c'est un petit peu différent. Lì è un po' differente. Je pourrais faire la même chose. Potrebbe fare lo stesso spostamento. Mais bon, c'est mieux d'avancer. Grazie. È meglio avanzare un po'. Mais ce que je veux que vous compreniez. Quello che vuole che capiamo. C'est que pour pivoter. Per ruotare. Il faut qu'on ait un axe commun. Bisogna avere un asse comune. Donc. Ça c'est l'axe commun, vous comprenez? Quello è l'asse comune, les deux. Et là, je peux pivoter sans danger. Okay? Là, on peut girare senza pericolo. Là, on n'a pas un axe commun. Là, non c'è un asse comune. Okay? Donc, un, sur la technique, ça va être difficile. Uno, la tecnica diventa difficile. Ou alors, je vais corriger. Ou alors, okay. Corregge, ma. C'est pas mieux. Non è molto meglio. D'accord? Hein? Et sur les principes de l'aïkido. Et in base ai principi dell'aïkido. On part sur un mauvais chemin. Si parte male. Parce que toutes les techniques, ce sont des techniques d'ouverture et de fermeture. Toutes les techniques sont apertura et chiusura. Par rapport à un triangle. Donc, in rapporto a un triangolo. Quand je fais Katatedori. Katatedori. Ce qui est plus difficile. Je choisis un angle. Oui. Scelgo un angolo. Oui, ce triangle. Deux épaules. Due la main. Spalle, la mano. Mais ça peut être aussi mon centre, ma main, son centre. Okay. Può essere anche centro-mano, centro-mano. Et donc l'idée, c'est quoi? De faire en sorte que ce triangle se referme. L'idea è di far chiudere i due triangoli insieme. Sarà? A partire da là. Da quel momento lì, può ruotare. Ayami Katatedori, même chose. Stessa cosa su Ayami. On se place. Okay. Alors, je ne vais pas m'approcher trop. Dès que je suis sur l'épaule, je pivote. Non si avvicina troppo, quando è sotto la spalla, gira e fa la tecnica. Et surtout, je ne pousse pas. E soprattutto non. Non spinge. Spinge. Parce que de toute façon, je ne peux pas. Perché non può? Je ne peux que me déplacer. Non può far altro che spostare il suo corpo. On commence comme ça je regarde un peu les ceintures blanches, tranquillement. Cominciamo con questa forma, così guarda le cinture basse. Un, se placer, bien sur ses appuis, tourner, avancer. Quand vous descendez, faites attention à votre dos. Quando scendete, fate attenzione alla schiena. On y a, changer de partenaire. Les anciens, c'était un peu plus. Maï. Donc c'est quoi le problème? Qual è il problema? C'est cette main. È la seconda mano. Spinge. Alors, si on s'en sert pas. Se non la utilizzo. Ça marche? Funziona. Mais si je m'en sers pas du tout, ça marche pas. Ma se non la uso del tutto non funziona. Et si je veux m'en servir, se la voglio usare, j'ai un problème. Crea un problema. Donc je me sers le minimum de cette main. Dunque la seconda mano si usa al minimo. D'accord. Ok. Donc c'était très intéressant d'avoir noté ça parce que hein, bon, moi je peux le faire quand même ici parce que la vitesse fait le la può fare, esperienza, velocità e tutto, non importa come. Je suis pas à l'aise, oui. Ma non è completamente a suo agio. Donc, pour être à l'aise, per essere a suo agio, je vais libérer cette... okay. Vuole liberare la seconda mano. Merci. Grazie. On va travailler un peu plus vite maintenant, juste pour les plus gradés. Per i più graduati, un po' più veloce. Certains vont continuer comme ça. Alcuni continuano in questo modo. Non c'è problema di taglia. Ma vous pouvez laisser les deux mains
Okay. Se non c'è un grosso problema di taglio ed esperienza, tenete le due mani così. Et parce que lui va tourner, e siccome lui gira automaticamente, j'aurai pas de problème, oui. Non avrà problemi. Vous avez compris? Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il a tourné? Questione adesso però è perché ha girato. Perché è un aikidoka. Okay. Parce que c'est un aikidoka. Gentil. Gentile per giù. La logique c'est qu'il recule. La logica vorrebbe che lui indietreggiasse invece. Ou la logique c'est qu'il résiste. O che resista. Oui. Donc la première chose c'est d'abord accepter qu'il tourne. La prima cosa è che lui accetti di girare. Comprendre le principe. Capire il principio. Si vous regardez bien. Se guardate bene. Cette main elle va pas bouger. Elle n'a pas bougé, vous avez compris? La mano, la seconda mano non si è spostata. Je n'ai pas poussé la main. Non ha cercato di spingere là la seconda mano. Parce qu'il tourne. Siccome ruota è Uke che sposta l'asse. Il m'a donné la position. Gli ha donato la posizione corretta. E quindi tecnica. Maintenant, on n'est plus avec des débutants. Non siamo più debuttanti. Il veut pas. Non vuole. Non è più gentile. Ni accepter. Né accettare. Okay. Et même si ça marchait, e anche se funzionasse, c'è un rischio. C'est pas un angle qui me convient, okay? Non è un angolo che gli conviene. Donc, quindi, gardez les yeux, guardate gli occhi. Tournez les hanches, ruotatele anche. Massacratelo. Et glissez-moi. Ok? Ok? Donc ça, c'est un peu difficile. Là, è difficile. Ça, c'est difficile. È difficile. Donc, les yeux restent là, parce que si les yeux vont là-bas, il a compris déjà. Okay? Se gli occhi si spostano, ha capito il trucco e quindi. Ah. Ok? Looking at this, seems to me. Vado in. Thank you.